Allez, pour voir un texte, je prends les pour moi maintenant. Un subtitle, c'est completing the square. Subtitle, c'est completing the square. The subtitle is completing the square. Allez, je prends les pour moi là, comme case 1. The subtitle is completing the square. Now, we have this as case number 1. Case number 1, 2 petits points. À côté de je t'écrire. Case 1, 2 petits points. À côté de je t'écrire. When coefficient of x square is 1. When coefficient of x square is. When coefficient of x square is 1. When coefficient of x square is. When coefficient of x square is 1. Good. Allez, très bien. Je prends ça maintenant pour moi comme question, comme exemple 1. Je prends ça pour moi comme exemple 1. Complete the square of the following polynomials. 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 Let us have a look at this for the part A. Allons completing the square par contre. Allons c'est x square plus 2x plus 11. Please have a look at this. Pour pas les personnes travaillent avec moi, là, de tout suivre. Il n'est pas quelque chose de compliqué. Il n'est pas tellement simple aussi. Mais il n'est pas compliqué. Les maîtrises, c'est comment vous avez fait. X square plus 2x plus 11. Comment je peux faire complete the square par ici? Let us have a look at it. Completing the square, notez aussi, qui est énergie aussi de mathématiques maintenant. Avant pas énergie, mais de mathématiques aussi, c'est énergie. Dans les tombes de topique quadratique. Comment je fais complete the square? Alors, c'est la différente technique. Vous pouvez essayer de montrer cette technique. Elle n'est pas nécessairement technique plus facile, là, mais une technique plus reliable. Ça veut dire que moi, je suis cette technique-là, elle marche bien tout le temps. Let us have a look at it. Comment je fais complete the square, premièrement, ici, là? So, you are going to keep your x square. And your 2x, the Google hidden bracket. D'accord, c'est bon là. The Google the x square avec the 2x, the Google hidden bracket. Mais là ensuite, qu'est-ce que je supposais faire? Je supposais add half coefficient of x to the square. Alors, ce que je peux faire ici, là, moi, c'est même les couleurs. So you're going to add half coefficient of x. What is coefficient of x over here? Le numéro 2. So you're going to add half coefficient of x. What is coefficient of x? Coefficient of x is 2. So add half coefficient of x en entier to the square. Ça veut dire la première chose qu'il me faut faire. Je vais gagner mon x square avec mon gagner mon x. Voilà, je gagne mon x square avec mon gagner mon x. Je vais isoler dans la bracket. Et là, ensuite, dans sa bracket là, qu'il me faut faire? Je vais gagner mon x square avec mon x. Then you're going to add half coefficient of x, which is 2, to the square. Good for this point. Oui, allez, très bien. Alors, ça c'est bon. Ça c'est pour sa bracket là. Voilà. Maintenant, le fait qu'il me ajoute half coefficient of x to the square dedans, what is to be done over there? What you have added, you have to subtract. D'accord, c'est bon là. Alors, je me ajoute sa partie en bleu là ici. Moi, pour retirer la même chose. So you subtract half coefficient of x en entier to the square. Je dis bien comprendre pas ici. Alors, première chose, je gagne mon x square avec mon x. Then you add half coefficient of x en entier to the square. Then the constant 11. Alors, ce qui est plus 11 ici, ça qui m'en rajouter en bleu, on retire de l'autre côté. Good for this part. Oui, allez, très bien. Mais cela vous donne quoi pour ici là? Cela vous donne x square plus 2x. Et là, voilà plus. Allez, half de 2, c'est combien? Half de 2, cela vous donne 1. Alors, cela vous donne 1 to the square. Alors, c'est bien plus 1 to the square. Ça, c'est mon bracket rouge pour ici. Et là, par contre, la même chose de l'autre côté qui diminue. Alors, c'est bien plus 11 retiré. Toujours half de 2, c'est combien? C'est 1. Alors, 1 to the square pour ici, cela vous donne 1 même. Maintenant, pour ceux qui me disent comme ça, mais qui fait ici dans le gradient en termes square, mais par contre, ici dans le calcul de valeur. Tout le temps, ici dans le calcul de valeur là,
Mais par contre, ici, dans un, je ne vais pas calculer la valeur. Je vais faire juste half de valeur là. Half de 2, c'est 1. Je vais garder en termes square. Maintenant, nous allons comme ça, mais qui fait pour garder en termes square? Très très simple. Parce que maintenant, comment on fait pour compléter le square par ici? Je vais juste en avoir un power de la base. Allez, power de ce base, c'est combien ici? C'est x. Power de ce base, c'est quoi ici? C'est 1. Alors, ce qu'ils ont pour faire là, je trouve un bracket. Je copie ça par power de la base. Alors, ce power de ce base ici, c'est x. Power de ce base ici, c'est 1. Alors, ce qu'il est pour venir, il est pour venir x plus 1 en entier de la square. D'accord, c'est bon là. Il vient x plus 1 en entier de la square. Et par contre, 11 retiré 1, cela vous donne combien? 11 retiré 1, cela vous donne? Cela vous donne 10. So, this is it in terms of completing the square form. Je viens bien comprendre les points ici. Alors, si toutefois vous allez prendre le tout, première chose que vous faites, je vais prendre x square avec zone x, je vais mettre une bracket. Prochain step, you're going to add half, coefficient of x, ça veut dire half de 2, en entier de la square. Now, what you add over here, you have to subtract from the constant over there. Ça veut dire plus 11, et vous pouvez nous retirer, alors ça qui m'en rajouter ici. Maintenant, ça va aller ici, là, vous gagnez tout le temps en termes square. Par contre, la même chose ici, vous mettez cette valeur. Alors, c'est là qui fait ça, qui fait me gagner en termes square ici. Parce que nous prenons le power de la sous-base, mon power de sous-base c'est x, ici mon power de sous-base c'est 1. Alors, je me regroupe, les mines x, 1 veut dire plus 1, les mines x plus 1 en entier de la square, et 11 retiré 1, cela vous donne 10. So, this is for case number 1. In terms of completing the square, je gagne 3 points pour ça. Je dis bien si je dis là. Alors, ça c'est case numéro 1 par contre. Case numéro 1 c'était when coefficient of x square is 1. Donc, vous trouvez qu'il est bien là, devant x square qu'il y en a 1. La même chose, si devant x square n'est pas 1, il vient d'aller l'autre façon de faire. D'accord, c'est bon là. Mais là, par contre, devant x square, c'est 1. Alors, sous le temps, je ne peux pas se faire sa façon. Je vais donner double la partie B. Et par contre, la partie C avec partie D, c'est ce même qui peut faire par exemple. X square retirer 7x plus 10. Allez, x square retirer 7x plus 10. Allez, première chose, nous vérifions. X square en première position, x en deuxième position, et value en troisième position. Allez, how do we start for it? Alors, nous prenons x square avec nos x. Nous prenons x square avec x, nous mettons un bracket. Ça, c'est le premier. Alors, ça, c'est le premier step. D'accord, c'est bon là. Nous prenons x square avec nous prenons x. Salut. Alors, nous prenons x square avec x. Nous mettons un bracket par ici. Et par contre, ça, c'est mot plus. Ça c'est mot plus 10. D'accord, c'est bon là. Allez, ça c'est le premier step. Deuxième step maintenant, comme on finit, isole mon x square avec mon x. What is next step now? You're going to add half. Voilà, add half coefficient of x. Now, what is coefficient of x? Négatif 7. So, add half coefficient of x en entier to the square. So, add half coefficient of x en entier to the square par ici. Voilà, ça c'est tout ça, bracket là. And then, là, qui nous supposé faire? Ça positif 10 là. Alors, c'est pour retirer ça qui m'en a ajouté. Alors, si vous ajoutez ça par ici là, bon, pour retirer la même chose par ici. Alors, se retirer half de négatif 7 en entier to the square. Good for this one. Oui, mais voilà, c'est pas compliqué maintenant. Then you just have to follow the same principle, leaving x square, retirer 7x, et ici par contre, half de négatif 7, alors sous le square, cela vous donne positif, maintenant half de négatif 7, cela vous donne négatif 7 sur 2, en entier de la square. Maintenant pour ceux qui me disent, moi comme ça, mais qui fait un panne évalué, moi me disais tout à l'heure, dans sa bracket là, j'en mets pas votre valeur. Alors, c'est half de négatif 7 qui me donne négatif 7 sur 2. Alors, c'est half de négatif 7 to the square. Alors, ce qui vous donne négatif 7 sur 2 to the square. Good for this point. Oui. Et là, par contre, ici, cela vous donne quoi? Alors, cela vous donne plus 10. Retirez. Par contre, ici, là, vous me disiez, je vais bien mettre cette valeur. Ici, là, je vais bien mettre valeur. Alors, half de négatif 7, cela vous donne négatif 7 sur 2 to the square. Négatif 7 sur 2 to the square, c'est tout une calculatrice. C'est moins 7 par 2 fois moins 7 par 2. Alors, cela vous donne combien au total? Alors, cela vous donne positif 49 sur 4. Vous êtes tout prenez comment c'est ça le calculatrice, ça. Négatif 7 par 2, dans bracket, en entier de la square, vous donnez autres moins 49 par 4. Good for this part. Mais là, voilà, what is next step?
Next la même chose, comme ça, dans sa bracket là, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez besoin de parole de la sous-base. Alors, parole de sous-base, c'est x ici, et parole de sous-base ici, c'est négatif, c'est seul. Alors, ce qui me fait là, on regroupe tout ma base là. On prend ma base x. Ici, c'est moins 7 sur 2. On prend moins 7 sur 2. En entier, tout le square. Et par contre, ici, 10 retiré 49 sur 4. Vous espérez, je te vous rappelle comment c'est la calculatrice. 10 retiré 49 sur 4, cela vous donne négatif 9 sur 4. So, this is answer for the part B in terms of completing the square. Tout est bien compris là, vous êtes. C'est sûr que c'est OK là. Alors, tout le temps, mon premier step, voilà. Si je me répasse là rapidement, je vais mon x square avec mon x. Deuxième step, par contre, qui me peut faire? Alors, comme deuxième step, par contre, là, you have to add half coefficient of x, qui est négatif 7, to the square. Pas plus 10 là, par contre, pour retirer ça qui m'a ajouté, which is here. Ici, par contre, je vais évaluer là, en termes de square. Par contre, la même chose ici, je vais évaluer même l'intercalatrice. Là, comme réponse finale, je vais évaluer de là sur base, qui est x avec moins 7 sur 2. Alors, c'est bien x retiré 7 sur 2 to the square. Et ça me prend quand même la fesse, mon petit limo, bien moins 9 sur 4. Good for this code. Alors, ça, c'est pour la partie A et B. Alors, comme exemple 2, c'est ce même qui peut être mettre l'osso. Good. Allez, notez dans vous. Alors, pour exemple 2, dedans là, c'est complete the square toujours, qui est très très rapide. Alors, première chose qu'ils ont trouvé, c'est quoi? Ils ont pris le x square avec le x. Ils ont mis dans le bracket par ici. Then this is your plus 7. Now what is next step? Next step c'est quoi? C'est add half coefficient of x. Alors half coefficient of x c'est combien là? C'est half de 2 par ici. Alors ce qui vous donne 1. So add half coefficient of x to the square. Qui vous donne 1 to the square. Oui. Et là par contre ici là. Ça qui vous donne ajouter pas là-bas là. Donc vous avez retiré la même chose de l'autre côté. Alors cela vous donne quoi là vous êtes? Donc, il faut prendre parole 2 sur base. Parole 2 sur base, c'est x ici. Par contre, ici, c'est 1. Alors, cela vous donne x plus 1 par ici, to the square. Et par contre, ici, c'est pour 7 retirer 1 to the square qui vous donne 6. Alors, cela vous donne x plus 1 to the square plus. Cela vous donne x plus 1 to the square plus 6. Good for this one. Oui? Très bien. Allez, pour la partie B rapidement ici, là. Toujours, qu'ils ont pas à faire. Alors, je prends le x square avec le x. Et par contre, ça là, c'est mon plus. Ça, c'est mon plus 2. Allez, prochain step, c'est quoi là? You're going to add half. Voilà, add half. Coefficient of x qui est négatif 3. En entier, to the square. Ça, c'est mon premier bracket. Et là, par contre, ça plus 2 là. Et pour retirer ça qui nous a ajouté. Alors, plus 2 pour retirer ça qui nous a ajouté. Alors, retirer half de négatif 3 en entier to the square. Good for this one. Oui, là, il est bien trop facile. Alors, cela vous donne x square par ici. Ça, c'est négatif 3x. Alors, maintenant, half de négatif 3. Regardez bien, plus pour s, plus tout le temps ici. Half de négatif 3. Cela vous donne négatif 3 sur le débat ici. Alors, c'est bien négatif 3 sur 2 to the. C'est bien négatif 3 sur 2 to the square. Alors, ça, c'est pour dans mon bracket. Et par contre, ici, la même chose, c'est là. Half de négatif 3, c'est négatif 3 sur 2. Négatif 3 sur 2 to the square, cela vous donne. Alors, c'est positif 9 sur 4, donc calculatrice. Là, voilà. Ici, mon égénat, pour ma base 2. Mon base 2, ici, c'est x. Et par contre, ici, mon base 2, c'est négatif 3 lot 2. Alors, c'est bien x. Négatif 3 lot 2 en entier, to the square. Et par contre, ici, 2 retiré 9 sur 4. Alors, cela vous donne négatif 1 sur. Cela vous donne négatif 1 sur 4. So, this is your answer for. So, this is your answer for example 2, from part I. Good for this one. Allez, très bien. Allez, pour case numéro 2, par contre, ici. It is when coefficient of x squared n'est pas égal à 1. Allez, let us have a look at this part. Suivez-les par contre la suite, parce que ça peut être disposé un petit peu plus minant, mais il n'est pas aussi compliqué, je comprends les bien. Première chose qu'ils ont besoin de faire alors, c'est ça qui n'est pas qu'à c'est ça numéro 3 là. Ça numéro 3 là, pas qu'à zut, pas ici. Ça ne va pas faire des temps qu'il y a ça numéro 3 là. Alors, anytime the coefficient of x squared n'est pas égal à 1, qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin de tirer 3 là. Let us have a look at it.
The only way of taking out the 3 is by factoring it out. Vous pouvez avoir qui je vous voilà, vous pouvez avoir pour voilà, l'exemple. Alors, ce que je vous ai fait, je vous ai dit 3 là. Celle-ci n'a 10, moi je factorise 10. Malgré 3 n'est pas commun, je vous ai dit 3 là. It's the only way for you to complete the square over here. Alors, ce qui ne veut pas le faire là, je vais retirer le numéro 3 de haut. Voilà, moi je vais 3 là de haut. Allez, maintenant, 3 fois 3x square. C'est 3 multiplié par x square. 3 fois 7x. Mais vous avez une 7 divisé par 3. Et 3 fois 15, c'est 3 multiplié par. C'est 3 multiplié par 5. Vous êtes tout d'accord avec sa partie là? Oui, vous pouvez aller faire une copie ensemble avec moi, suivez-les avant. Alors, ce premier step, c'est de retirer sa coefficient avec 6 fois là. Alors, 3 par 3 x 6 quoi, c'est x 6 quoi, 3 par 7 x, c'est 7 tiers x, et 3 par 15, cela vous donne plus 5. Good for this part. Oui. Alors voilà, je passe toujours la même chose. Next suivant, c'était pas bien. So, what is to be done now? Toujours, je dois isoler the x 6 quoi avec the x ensemble. Voilà, je prends mon x 6 quoi avec mon x, je isole, par contre, ça c'est un cas, je mets l'idée. Mais maintenant, pas oublier que 3, il peut faire sa braquette plus en entier. Le PCC logique là, pas aussi là. 3, il peut faire sa braquette plus en entier. Alors voilà. Ça veut dire que le tout bien continue sans sa braquette. Ce PCC dit pas aussi là. Oui. Alors, mon isole mon x soit avec mon 7 tiers x. Et par contre, ça c'est mon plus 5. Mais pas oublier que 3, il peut faire le tout en entier. Then what is it going to be now? Alors, ça c'est mon est égal à 3. Là, je peux toujours faire la même chose. Pareil quand je te fais tout à l'heure. Allez, je vais faire tout à l'heure. You were adding. Je te rappelle, you were adding half. Coefficient of x. What is coefficient of x over here? C'est 7 tiers. So you add your half. Coefficient of x. Alors, en entier. To the square. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon bracket couleur noir. Pareil comme tout à l'heure. Et pour répondre là, ça plus 5. Là, qu'est-ce que vous faites? Ça plus 5. Là, pour retirer ça qu'il vient d'ajouter. Alors, c'est pour retirer half. De 7 tiers, alors en entier tout de, en entier tout de square. Je dis bien comprendre pas ici là. Oui, alors toujours pareil comme tout à l'heure là, dans mon bracket. You're going to add half coefficient of x to the square, and then your constant subtracts what you've added. Mais par contre là-dedans là, alors la chose qui est très importante, c'est que ça 3 là, il est bien des fois le tout. Alors si vous permettez moi, c'est bien différent couleur avec lui. Voilà, le numéro 3. Il peut faire le tout pas ici, mais c'est bien une braquette carrée. À la fin, le numéro 3, il est bien fait tout le temps faire le tout. Voilà, le numéro 3, il reste tout le temps multiplié par, il reste tout le temps multiplié par le tout. D'accord, c'est bon là, si vous ne pas mettre une braquette, il est bien faute. Alors, nous, les écoutes, par contre, qu'est-ce que vous venez là? Alors, ce qui est égal à 3 toujours, allez rapidement pas ici, cela vous donne quoi? Ici, c'est x square plus. 7 tiers x. Alors, half de 7 tiers, cela vous donne combien? Cela vous donne 7 sixièmes. Alors, si vous venez plus 7 sixièmes par ici. Alors, plus 7 sixièmes to the square. Voilà, ça c'est mon. Ça c'est mon premier bracket en face opposée. Get-il là? Ça c'est mon premier bracket. Mon premier bracket nord. Et ensuite, là, plus 5, il vous a retiré sa valeur. Allez, sa valeur là, comment il fait ça? Alors, 7 sur 6 sur 9, comment il fait? 49 sur. C'est 49 sur 36. Et pas oublier par contre que le numéro 3, il peut multiplier par le tout. Alors, c'est bien comme ça. Good for this part? Oui, c'est sûr que c'est ok là. Allez, vous voyez un coup de Kelly Vinas. Le numéro 3, toujours, il continue de multiplier par le tout. Then you just have to solve it. Kelly, vous venez là. Alors, comment le power 2 se base? Ici, c'est x et power 2 se base, c'est 7 sur 6. Alors, c'est bien x plus 7 sur 6 en entier de the square. Allez, dis-moi ici. 5 retiré 49, l'autre 36. Cela vous donne combien? Please get on the calculator, tell me. 5 retiré 49 sur 36, cela vous donne combien? Alors, c'est 5 retiré 49 divisé par 36. Alors, cela vous donne 131 sur. Cela vous donne 131 sur 36. Voilà, plus 131 sur. Le 131 sur 36. Good for this one. Oui,
Mais là, par contre, vous n'avez pas oublié que le numéro 3, il ne contient pas le tout pas ici. Alors, ce numéro 3, quand il ne contient pas le tout pas ici, qu'il est combiné là, il est obligé de savoir qu'il fait là. Allez, nous, quand savoir qu'il fait là, pas ici, 3 pour multiplier comme ça, les 3 fois sa braquette là. Mais il donne 3 fois sa braquette là. Voilà. 3 fois sa braquette là, il donne 3 fois sa braquette là même. Et par contre, 3 multiplié par 131 sur 36, cela vous donne 131 sur 131 sur 12. Vous avez bien compris pas aussi. Non, pour ça, je crains la prochaine, je vais à peu près en 4 à 5. Allez, les clés sur plein de sous pas aussi. Je ne vais pas conseiller les personnes de copier ensemble avec moi. Si toute personne grave n'est pas qui peut aussi, vous pouvez finir mettre les calots dans le groupe tout le temps, dans les lundis. Alors, si anything là, vous mettez ça, il n'y a pas de problème. Je vais finir avec ça par là. Allez, nous avons un coup de poids ici là. Pour the completing the squat pod. Allez, pour la pod A. Nous répondons un peu rapidement. So, anytime we push avec ce squat, il n'est pas A. Alors, ce qui nous fait, nous prend pas que la moutienne. Désolé, nous prenons que le channel, nous tiennons, nous prenons 3. Allez, maintenant, 3 pour avoir tout ça là. 3 fois x squared pour avoir 3x squared. 3 pour avoir 7x, c'est 7 sur x. Et 3 pour avoir 15, cela vous donne plus 5. Ça, c'est le premier step. C'est tout le temps, nous tiennons, nous prenons avec x squared. Deuxième step, nous faisons pareil comme on a fait tout à l'heure là. Nous isolons x squared avec x. Et ça, c'est nos plus 5. Qui va avec le binôme plus là donc, c'est qu'il y en a un 3, which is always hanging around. Ça veut dire ça, 3 là, tout le temps, les bien avec nous. C'est ça même en plus là. Vous n'avez rien encore de plus là. Ça veut dire que vous avez une braquette en plus. Voilà, c'est ça, 3 là, qui peut rester mais d'un bout en bout. Mais après, tu passes pareil là. Voilà, nous voyons x squared avec nos x en braquette. Ça, c'est nos plus 5. Et bien, pour mener qu'il y en a beaucoup, ça va mettre ça, 3 là, qui peut faire une braquette d'arrêt. Là, à l'intérieur, toujours, donc pour add half coefficient of x to the square. Le numéro 5, toujours les compétences half coefficient of x to the square. Mais par contre, le numéro 3, il continue pas le tout. Ici, c'est pareil, travail à continuer. Half du 7 tiers, c'est 7 sixièmes. Alors, c'est 7 sixièmes to the square, comme on disait autres, ici, là, tout le temps, les centièmes square. Et par contre, ici, nous principe de valeur, cela vous donne 49 sur 36. Et par contre, là, voilà, le numéro 3, il continue pas le tout. C'est tout là. On est ça à l'autre step. Et là voilà, ici me prend le parole de ce bas, c'est x avec 7 sixièmes. Alors c'est bien x plus 7 sixièmes tout de square. Et par contre, 5 fois tiré 49 sur 36, cela vous donne 131 sur 36. C'est juste qu'à l'autre step, vous avez le numéro 3 qui peut faire le tout. Then in the end, you just have to expand. Alors 3 fois sa braquette là, il y a moins 3 braquettes là. Et par contre, 3 fois ça là, c'est 131 sur 12. Tout est bien compris les points ici là. Alors c'est pas quelque chose de compliqué. Let us try for the part B over here, and then maybe I'll let you do the part C. Allez, pour la part B, nous venons d'un coup de part ici. C'était quoi la part B? C'est 2x squared plus 12x. Alors, rapidement, c'est 2x squared plus 12x. Alors, ici, les points sont plus faciles pour voir, parce que quand le pénal en ligne veut dire que c'est 0. Allez, rapidement, là, how do you complete the square for this one? Alors, c'est 2x squared plus 12x, et si le pénal en ligne veut dire que c'est plus 0. Good. Allez, premier step, c'est quoi? Devant x squared, c'est quoi? Devant x squared, c'est pas 1, c'est le numéro 2. Ça veut dire qu'il passe en case numéro 2. Case numéro 2 qui montre les autres. Sa valeur devant x squared là, you have to factor it out. Alors voilà, on partir mon numéro 2 par ici. Mais là, voilà, il est trop simple. On maintient mon numéro 2 et le 2 vous passe dans un bracket couleur vert. Hein. Allez, on tient numéro 2 par ici. 2 par rapport à x squared. Désolé, 2 par rapport à x squared. X squared. 2 pour avoir 12x, alors c'est 6x, et 2 pour avoir 0, c'est 0 même. Très bien, par ici, ça c'est pour first step. Maintenant, prochain step, c'est quoi? Alors, ce prochain step, par ici maintenant, toujours mon code numéro 2. Là, ici, qui me fait faire mon bracket vert. Alors, je me parle isoler mon x squared avec mon 6x, et me tiens mon 0, me mettre 0. Et par contre, mais toujours mon sang qui est. Alors, le tout passe dans. Une multiplication de le numéro 2 qui est dans le bracket vert. Allez, nous continuons un peu plus ici à ce tir. Toujours ici, on a le numéro 2. What is to be done over here? You are going to add half coefficient of x. So half coefficient of x over here gives you 3 to the square. Voilà. Ça, c'est pour ça le bracket là. Et par contre, plus 0. Et pour retirer ça, qu'il m'a ajouté. On ajoute 3 to the square. On va retirer 3 to the square. Et 3 to the square, cela vous donne 9. So what is the other thing over here? C'est que le numéro 2, il peut faire le tout d'un bracket vert. This is it.
Now, what is next step still? Alors, ça, c'est le numéro 2. Alors, par contre, ici, menez qu'il y a un peu de power 2 sur base. Power 2 sur base, ici, c'est x. Power 2 ici sur base, c'est 3. Cela vous donne x plus 3, tout le square. Ici, 0 moins 9. Cela vous donne négatif 9. Et par contre, menez qu'il n'a pas oublié que le numéro 2, il est fort à l'extérieur. Alors voilà, au dernier moment que je peux faire, you're going to go for full expansion. Deux fois sa barquette noire, cela vous donne deux fois. Alors x plus 3 to the square. Et deux fois moins 9, cela vous donne négatif 18. So this is the answer for the part B. Je dis bien comprendre les cas ici là. Oui, laissez-moi faire la part ici parce que pour le droit c'est négatif. Then I'm going to give you for example on this. Allez, la partie ici, par contre, c'est négatif x square plus 9x plus 2. Négatif x square plus 9x plus 2. Allez, rapidement, par ici, là. Alors, ça pense de penser qu'il est tombé en caisse numéro 1. Parce qu'il n'est pas tombé en caisse numéro 1 devant x square, c'est pas 1, c'est moins 1. Du moment qu'il n'est pas 1, il tombe en caisse numéro 2. Et caisse numéro 2 qui montre les autres, at any time collection of x square is not 1, you have to factor it out. Allez, nous factor it out. C'est quoi là? C'est négatif 1. Alors voilà, on mettrait négatif 1. Ok, c'est cool pour all of you. Oui. Alors je mettrais négatif 1 par ici. Très bien. Coefficient avec 6 quoi, négatif 1. Voilà. Next step, c'est toi là. C'est qui nous parle. Next step, c'est qui nous parle factorize. Alors ça, c'est pour négatif 1 par contre. Donne-moi 1 minute. On est très bien. Ça c'est mon négatif 1 qui me fait facteur alpha ici. Ensuite, me connaît qui me connaît braquet carré. Voilà, ça c'est mon braquet carré. Then what is next? Négatif 1 pour avoir moins x square. X square. Négatif 1 pour avoir 9x. Négatif 9x. Et négatif 1 pour avoir positif 2z. Négatif 2. Et là toujours, voilà, mon négatif 1 mon braquet. Mon braquet de verre. Prochain step par contre, c'est quoi maintenant? Je garde mon négatif 1 et moi isole mon x avec mon x square. X square avec x isolé et ça pour apprendre c'est mon négatif 2. Et pour apprendre ici voilà c'est mon négatif 1 qui fait fois l'aide braquette verte. Alors voilà cela vous donne moins 1 encore ici. Allez, what is next step? Qui me parle dans sa braquette là? Toujours la même chose. Add half coefficient of x to the square. So you're going to add. Half coefficient of x. Allez, coefficient of x c'est moins 9. Half de moins 9 c'est combien? C'est moins 9 sur 2. So add half coefficient of x to the square. Alors ça, c'est mon bracket noir par ici. Et par contre, là, ça négatif 2 là. Et pour retirer ça qui me l'a ajouté, allez, me l'ajoute ça. Mon retire lui-même. Alors, mon retire ça qui me l'a ajouté. À ce ça, ce valeur c'est combien? Moins 9 pour 2 to the square comme il fait. Alors, cela vous donne 81 sur 4. Alors, c'est moins 81 sur 4. Mais par contre, faut la quitter ici. C'est qu'il ne me voit pas combien d'un braquet carré. Parce que je ne sais pas oublier qui tout le temps. Ça peut me multiplier là, à la fin, il peut faire le tout là. Et là, il vient trop simple ici. Je vais mettre moins 1. On va mettre par 2 sur base. Ici, c'est x. Par 2 sur base. Moins 9 fois 2. Entier. To the square. Et par contre, ici, cela vous donne combien là? Moins 89 sur là. Ici, cela vous donne moins 89 sur 4. Good for this one. Oui, cela vous donne moins 89 sur 4. Et c'est juste qu'à prendre en considération qu'il moins 1, il ne peut pas le tout. Et voilà, il est trop simple là. À ce qui est bien, vous avez un négatif 2. Allez, moins 3, ça vous donne négatif ça. Moins 3, ça vous donne positif 89 sur 4. Mais laquelle plus jolie pour le faire? Allez, qui se trouve plus jolie pour le faire? Moins x plus 2 ou soit 2 moins x? De moins x plus je dis pour écrire parce qu'il dit qu'on commence pas une plus ici moins 3 ça dit de moins moins 1 là mais moins 3 ça de moins plus 1 là mais vous ne commencez pas à faire plus là avant ça veut dire qu'on peut faire moins 1 fois 89 le 4 moins 1 fois moins 89 le 4 fait moins positif 89 le 4 après là on va faire moins 1 fois 1 là et de moins moins x moins 9 sur 2 en entier tout le square. Ok, c'est cool pour this part. Get bien là. C'est très bien détaillé pour cette partie là. Il est impossible qu'il nous capable plus en détail parce que c'est. It's the maximum depth I can give in terms of explanation. Je dois bien comprendre.
Oui, alors comme ils ont pas ces objets qui font valeur. Allez, plus comme tout ça. Passons à cette boxe là maintenant, pour exemple 4, donc 8 plus 3 pour des box. Allez, rapidement, je vais vous mettre ce même valeur là. So, what is first thing to be done over here? C'est nous tirer le numéro 2, n'est-ce pas? Alors, nous factorisons le numéro 2 à l'intérieur de plus x square. Plus 7 sur 2x et ensuite plus 15 sur 2. I would not advise to work with any decimal number. Ensuite, là, comme prochain step. Alors, comme prochain step, nous pourrons isoler le valeur x square avec x. Et ça, c'est par contre nos constantes qui peut rester à l'extérieur. Et le numéro 2 peut multiplier par le tout. Ensuite, comme prochain step, là, nous faire pareil avec moi dans case numéro 1. You are going to add half coefficient of x. Alors, half coefficient of x, comment faire? C'est 7 sur 4. So, add half coefficient of x to the square. Alors, ça, c'est pour sa bracket là. Et ensuite, elle a plus 15 sur 2. Et pour retirer ça, qui m'en ajoute. Alors, si m'en ajoute ça, on retire ça. 7 au 4 to the square, cela vous donne 49 sur. Cela vous donne 49 sur 16. Et pour prendre le numéro 2, il est multiplié par le tout. Là, ici, ça c'est mon numéro 2. Donc, il y a ma base 2 ici. Ma base 2 ici c'est x. Et ma base 2 ici c'est 7 sur 4. Voilà, cela vous donne x plus 7 sur 4. En entier, tout le square. Et je casse avant sa valeur là, s'il vous plaît. 15 sur 2 retiré 49 sur 4. Cela vous donne combien? 71 sur 16. Alors, c'est 71 sur 16. Alors, ça c'est pour le numéro. 71 sur 16, n'est-ce pas? Laisse-moi vérifier, c'est quel code, c'est ça? C'est quel exemple? C'est 2x quoi plus? Plus 7x plus 15. Ok, là. Alors, c'est 2 multiplié par cette partie-là, n'est-ce pas? Oui. Pas oublier que le numéro 2 divisé par le tout par contre. Et là, voilà, 2 multiplié par ça. Cela vous donne 2 fois ça même. C'est 2 en x plus 7 sur 4 to the square. Et par contre, 2 multiplié par ça, cela vous donne 71 sur 1. Cela vous donne 71 sur 8. Is it good for all of you? Tu as bien ça comme réponse? Oui. Par contre, regarde bien. Si ça fait ton même négatif, ça fait ton positif. Tu as un même positif avant. On met négatif en arrière. La pause c'est bon là. Oui. Good for this one. Pareil comme tout à l'heure. Ici, pour un bon plat, c'est B. Abonnement pour leur vidéo, follow, please. C'est pas copié avec moi. Il est nul, c'est plus pratique, c'est plus copié avec moi. Alors, si on gagne le tout en ligne, si je suis capable de copier ma vidéo là, et que moi je suis capable forcément gagner le avec un kicker aussi. La partie B, par contre, là-dedans, c'est quoi les avantages? C'est que ici, là, vraiment, les valeurs bien installées. Tout le temps, je faisais quelque chose qui commence par x square, après x, après constant. Je précise, c'est pas aussi bien, hein? Oui. Alors, la première chose qu'il me faut faire, c'est me faire un rearrangement. Alors, c'est négatif 3x square. Ensuite, c'est positif 2x et ensuite c'est positif 5. Good for this one? Oui. Alors, c'est négatif 3x en première position, 2x en deuxième position et troisième position, c'est plus 5. Allez, rapidement maintenant ici là. Le fait que devant x square c'est pas 1, vous retirez le coefficient là. Ça veut dire qu'on retire le négatif 3. Allez, négatif 3 maintenant par rapport à négatif 3x square, c'est x square. Négatif 3 par rapport à 2x, c'est négatif 2 sur 3x. Et négatif 3 par rapport à ça, cela vous donne négatif 5 sur 3. Si toutefois, j'ai pas fait cette division ici même, mais pas tout tombe mal. La peau, c'est bon là. Bon, c'est ce que vous voulez, comment faire ça? Je tiens négatif 3, Léo. Négatif 3 pour négatif 3, c'est 1. 2 par rapport à négatif 3, moins 2 sur 3. 5 par rapport à négatif 3, c'est moins 5 sur 3. La peau, c'est bon là. Alors ça c'est comme premier step. Deuxième step, on va prendre là. Je dois isoler le band x avec le band x square. Voilà. X avec x square isolé par contre ici. Négatif 3 continue par le tout. Là, voilà dans sa bracket là qu'il ne va pas le faire. I'm going to add half coefficient of x to the square. Allez, half de négatif 2 tiers. Cela vous donne combien? Négatif 1 tiers. So I'm adding half coefficient of x. En entier, to the square. Alors, ça, c'est sa bracket là. Et là, voilà, ça a moins 5 tiers là. Et pour retirer ça qui m'a ajouté, you've added this, you subtract the same over here. Moins 1 tiers to the square, cela vous donne 1 neuvième. Et pas oublier toujours que négatif 3 n'est pas le tout.
Alors cela vous donne négatif 3 pas ici. Par contre, ici, voilà, ça c'est moins par 2 sur base. Par 2 sur base ici c'est x. Par 2 ici sur base c'est moins 1 tiers. Voilà, en entier à la puissance de 2. Et ça, ce valeur c'est combien s'il vous plaît? Moins 16 sur 9, c'est ça? Est-ce que cela vous donne moins 16 sur 9? Oui. Alors cela vous donne moins 16 sur 9, pas oublier, moins 3 mais pas le tout. Là, je vais gagner la place bracket. Toujours maintenant, on va l'observer. Comme passe sa bracket là, il tombe moins 3 fois ça, qui est négatif. Et par contre, moins 3 fois ça, il demande quelque chose de positif. Alors, ce passe bracket positif là. Bon. Alors, moins 3 multiplié par ça, moins 3 fois moins 16 devient. Alors, cela vous donne 16 troisième. Et par contre, moins 3 fois ça, cela vous donne moins 3 fois x, en fait, c'est 1 tiers de votre square. Vous avez gagné ça comme réponse, il y a déjà. Oui, vous avez gagné comme 16 sur 3. Anyone else, ça a été gagné comme réponse par contre là. Oui, c'est OK. Allez, très bien. Pour ceux qui parlent, on a gagné une autre idée. And then we're going to start with a new topic. Alors, on commence avec Binomial Expansion. Allez, please, notre idée.